Maman, je peux voir qui? Oh non. Écoute, Alexandre, tu l'as vu toute la journée, maintenant tu le laisses un peu tranquille. Et tu demandes pas la cage. Bon, d'accord. T'as pas intérêt, hein? D'accord. Surtout que moi j'ai un petit peu peur de lui quand il est lâché. Oh bah oui, hein, c'en est trop. Déjà que tu l'as lâché une fois tout à l'heure, j'ai été obligée de courir partout. Oh. Hihi, Clara va pas être contente. Oh non, mais ma garde-robe! Oh non! Mais comment ça se fait que tes vêtements ils sont par terre? C'est Alexandre qui l'a fait! Ça me saoule! Mes beaux habits! Alexandre, oh non! Qu'est-ce que ça fait là, ça? Un habit d'Emma? Elle l'a en double. Mais même! Oh, t'as foutu tout le bazar! Tu vas ranger tout ça, hein? Non! Si! Je suis pas contente, hein? Dépêche-toi, tu ranges tout ça! Bon, je retirerai. Allez, il reste ça. Alexandre, une couche! Bah, je savais pas où la mettre. On la mettra à la poubelle. Allez, tu ranges tout ce qu'il y a là. Tu mets la paire de chaussettes, mais pas la couche, hein. Voilà. C'est bien. Je veux plus que tu recommences, hein. Pourquoi il y a des gants pour attraper l'hamster? Parce qu'il nous mord tout le temps, hein. Bon, moi, je vais aux toilettes. Bon, oula, moi, faut que j'aille changer la couche de Jules parce que je vais oublier. Haha, pendant que Clara est aux toilettes et que maman change la couche de Jules, je vais pouvoir en profiter de qui? Qui chérie? Qui chérie? Koubi! Koubi! Regarde comme t'es beau! Allez, je vais te lâcher! Allez, Gaston! Allez, Gaston! Allez, Gaston! Allez, Gaston! Maman, maman, viens vite! Qu'est-ce qu'il y a? Mais le hamster! Mais c'est pas possible, Alex! C'est pas possible! Oh non! Hey, Alexandre, t'exagères! Allez, non, qui vient là? Viens là, viens là, voilà. Non! T'exagères, Alexandre! Tu le fais gronder! Oh là là! Bon, je viens de remettre la cage en place. Alexandre, à la prochaine bêtise, t'es puni! Je te mets au coin! D'accord. Mais c'est Clara qui m'avait demandé de faire ça, n'importe quoi! Tu veux une fessée? Non. Il y en a marre, pauvre bête! Oh, j'ai galéré à remettre la cage! Et pourquoi tu l'as sorti? Mais c'était pour qu'il se défoule. Mais il a une boule pour ça exprès. Je vais te la montrer, regarde. Tu sais bien qu'il a ça pour se dégourdir les pattes. Mais toi, t'écoutes pas. Alors à la prochaine bêtise, t'es puni. J'en ai assez. D'accord. T'as déjà fait une bêtise? Ouais, déranger tous mes habits par terre. Oui? Je veux plus entendre une seule bêtise, hein? D'accord. Oh. Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On peut regarder la télé? Bon, d'accord. Ben, Alexandre, tu veux venir? Bon. Je peux venir, maman? Bon, d'accord. La prochaine fois, tu seras privé de télé et t'iras au coin, hein, si j'entends une seule bêtise. Et pour la peine, je regarderai ce que je veux, oui. Comme ça, ça t'apprendra, hein. Il y en a marre de tes bêtises. T'es tout le temps comme ça. C'est pas juste. Tu veux ne pas regarder la télé? Non. Bon, alors va avec ta sœur. Oh, je peux venir aussi? Oui, il y aura peut-être Jules aussi. Oh, punaise, en fait. Bon, bah alors venez, je vais vous allumer la télé. Jules, tu veux regarder ça? Bah oui. Clara, ça te va? Mais j'aime pas ça. On a dit que c'était toi, c'était eux qui choisissaient parce que t'es puni. Oh, mais ça fait au moins 20 minutes qu'on regarde la télé. Moi, j'en ai marre. Ben, c'est pas grave. Nous, on regarde ça. Moi, je vais l'éteindre si c'est comme ça. Alors, hop. Oh non! Alexandre, t'es chiant! Maman! Oh non, Alexandre! Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais maman! Il a éteint la télé! Oh non! Il y en a marre de tes bêtises! Tu vas au coin, il y en a marre! Oh, je peux sortir? Non, tu te mets correctement au coin. C'est pas juste. Tu seras puni de télé demain matin, hein? T'es infernal ce soir.
Pardon, c'est bien, mais... Plus de bêtises, hein, d'accord? J'en ai marre, moi. On a plus envie de regarder la télé. Ouais, moi, pareil. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, vous alliez bientôt arrêter. Bon, Alexandre, t'es dépuni, mais je veux plus que tu fasses une seule bêtise. C'est compris? D'accord, je commence à en avoir marre, moi, hein. T'es infernal, ce soir. Alexandre, qu'est-ce qu'il y a? On peut échanger nos doudous? Parce que moi aussi, j'aimerais bien avoir ça. Oh non, on n'y change pas. Mais si. Allez, moi, je te donne l'ourson et je prends ça. Oh non. Non, ça me saoule. Aïe. Ça va, Jules? T'es sûr? C'est bien fait pour toi! Oh, Jules, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Alexandre qui m'a tapé! Clara, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu retournes au coin! Aïe! Je commence à en avoir marre, mais c'était lui! Il a voulu échanger le doudou et puis j'en ai rien à faire! Il y en a marre ce soir! Il y en a marre! Tu comprends? Oui. Il y en a vraiment marre, Alexandre! T'es puni une semaine de télé, de dessert. Ok. Mais c'est pas juste. Si, si, c'est juste. Je commence à en avoir marre de tes bêtises. Ça va, Jules? Oui, ça va mieux. Bon, bah moi, sur ce, je vous dis bye bye. J'espère que tu te calmeras, hein.